Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve sur le serveur iPixel. Oh yeah! Et on va faire eh ben, quelques petits jeux. Voilà, j'avais envie un petit peu de détente et vous savez que sur iPixel, eh bien j'aime bien faire du Blocking Dead. Donc on va commencer hein, par un petit Blocking Dead, pourquoi pas? On va se retrouver dans l'avion à attendre les passagers, n'est-ce pas? On est avec Batman. Hein? Là, c'est le pack de textures qui se met. Voilà. Nous sommes donc avec Batman. Batman. Avec des filles, cela dit charmantes, avec un collier de fleurs sur la tête. Oh, dites-moi. Hop. Un monsieur tout en orange. Batman qui regarde. Oh, le dresseur de Pokémon. Et Batman qui conduit l'avion, qui regarde si le pilote se comporte bien. Oh, on va commencer à tomber. Attention, attention, attention! L'avion s'écrase. Et nous avec. Et forcément, on était dans l'avion. Alors, maintenant, il s'agit de survivre et il s'agit de remonter dans la ville. Avant que les zombies nous tombent sur le dos. Hop. Hop là. Hop là. Et croyez-moi, ils vont faire vite les zombies pour nous tomber sur le dos. J'ai entendu qu'il avait ouvert ici. Je vais voir s'il n'y a rien. Hop. Hop là, merci monsieur. Merci de ton aide, ami. 4 coins. Alors, il va falloir survivre. J'espère que je ne vais pas faillir à ma mission, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Hop. J'essaie de prendre le plus possible. Et il va falloir faire le plus de headshots possible. Ouf. Il va falloir faire le plus de headshots possible, bien sûr, pour essayer d'amasser de l'argent. Mais pas que. Oula. Hop. Il va falloir aussi essayer de survivre. Hop là, hop là, hop là, hop là. Aux attaques, pas qu'amasser de l'argent, les enfants. Et ben, je crains qu'il y ait quelqu'un qui a priori. Ouf, je t'ai vu. Aïe, 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 je l'ai vu, je suis désolé les amis. Non! On se fait une petite ellipse jusqu'à ce qu'on reprenne une partie les amis. À tout de suite les amis. Eh bien, re à vous les amis, nous revoilà dans l'avion. Donc avec de nouveaux passagers, hein, nous sommes avec Embrace the Dark. Qui n'est pas très dark. Un autre Batman. Un gars au survêt. Spark. Oh, il y en a qui se sont fait tuer, qui ont refait le lit tout de suite, comme moi j'avais fait, pour pas trop vous faire attendre, pour pas trop me faire attendre aussi. Écoutez. En général, quand je joue et que je ne suis pas en vidéo, j'attends la fin, je regarde un petit peu, je plane au-dessus des gens, comme ça. Mais là, comme je tourne, c'est clairement. Hein. Il faut enchaîner. Il va là. Hop. Merci de me protéger, ami.
Je sais pas qui m'a protégé ou qui. Donc là, le coffre a été pris. Il faut attendre qu'il se réinitialise, hein, bien sûr. Là, nous sommes vers la banque, à savoir que la banque, c'est le lieu le plus prisé, parce que c'est là déjà où il y a le plus de coffres. Et c'est le lieu dans les premiers rounds où c'est le plus protégé. Et je vais me faire tuer encore comme une, non? Mais c'est le lieu où il faut pas venir seul. Et là, j'ai pas intérêt à me faire avoir. Oh putain. Voilà, c'est le lieu où il faut pas venir seul, la banque. Donc on va courir. Chacun se la joue perso, j'ai l'impression. Y a certaines parties où ça fait des équipes, où c'est bien parce qu'on s'entraide tous. Et ça fait des équipes et c'est assez sympa. Là, dans cette partie-là, j'ai l'impression que tout le monde se la joue perso. Hop, je vais essayer de longer et d'éviter, hein, évidemment. On va donc éviter la banque parce qu'apparemment il n'y a personne à la banque et c'est dangereux. Et c'est fort dangereux. On va essayer l'école, écoutez. Essayer l'école. Ah, il était venu par derrière, lui, il piquait les balles. Je n'oserais pas dire le nom. Non, c'est cette bonne guerre, vous savez. En survie, que feriez-vous? Hop, on va aller là où ils ne vont pas. Évidemment, il y en a qui m'ont spotted. Ah, oh, ils m'ont jeté dans l'eau. Ah, dites donc. L'église n'est pas sûre, mes amis. L'église n'est vraiment pas sûre. Et il y en a qui pillent les coffres. C'est pas la peine d'y aller parce que s'ils restent au fond et qu'ils défendent le coffre, tu vas mourir, oui. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle un bon mort-vivant. Je suis désolé. Il y a Kigor qui vaut le coup. Je suis passé à côté du coffre parce que j'ai vu qu'il avait l'item qui faisait la gueule, vous savez. Oh. Pas grand chose et je me fais taper pour pas grand chose. Ah, je vais pas mourir pour pas grand chose. Bon, écoutez, on tient plus longtemps là déjà. C'est déjà une bonne chose.
Quand il y a, comme on l'a déjà vu, quand il y a la scary face, hein, enfin la sad, la face triste, c'est que le coffre est vide, donc il faut attendre. J'aime pas trop me risquer au commissariat d'habitude. Que je tente les hauteurs. Merde. Ça semble une bonne idée, mais combien de temps, je ne sais pas. Oh, déjà? Ouf! J'avais plus de minute. J'avais plus de minute. Tant pis. J'ai pêché par gourmandise. Hein. J'ai voulu rester là pour prendre les balles. J'ai pêché par gourmandise. Tant pis. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Et ben, on se refait une petite ellipse, les amis. On se retrouve peut-être sur un autre jeu. Donc à tout de suite les amis. Bah écoutez les amis, hein, on se retrouve pour un petit farm hunt. Voilà, un petit farm hunt des familles, tranquille ou pépère. Donc rappelez-vous, hein, le farm hunt, on est en animaux ou en chasseur. Ça sera décidé. Ça sera décidé ben là, à la fin du temps. Et en animaux, il faut évidemment leurrer les chasseurs. Et en chasseur, il faut. Voilà, donc je prends ma baguette pour me transformer en un premier temps en vache. Je suis un animal, donc je ne dois pas me faire trouver des chasseurs. Ce qui va être quand même. Hop, avec ma baguette, si je clique sur l'animal, y avait les herbes qui m'empêchaient. Oh, écoutez, je suis une vache, je suis un mouton, voilà. Je suis un mouton parmi les moutons. Parmi les moutons et les vaches, les chasseurs donc vont partir. Je sais pas à quoi tout ça sert. Bon, la flèche, c'est pour l'arc, évidemment. Mais... J'évite de bouger. Écoutez, ça tire dans tous les sens. Tant qu'ils viennent pas vers moi, écoutez. On a 14 animaux et 9 chasseurs. Donc c'est pas le jeu où vous bougez le plus, hein, quand vous êtes un animal, ça faut bien le concevoir. Mais ce qui est bien, c'est quand un chasseur vous trouve et qu'il vous tue, quand un chasseur vous trouve et qu'il vous tue, vous vous transformez en chasseur, vous ne mourrez pas. Donc c'est assez intéressant pour ça. Je sais pas si ça a fait quelque chose, ce que j'ai fait, mais... Ah, je me casse, moi. Hey, tapez pas les chiens, mais espèce d'ennemi des bêtes! Putain, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir, vous allez voir que je vais me faire avoir. Au secours! Ah! Eh ouais. Donc me voilà chasseur. C'est ça qui est fun. Et on doit trouver 6 animaux.
Donc me voilà chasseur, donc hein, je ne suis plus animal, j'ai été désenvoûté. Et là, je peux poser un animal qui va faire exploser les autres, faire disparaître les vrais animaux et justement faire des dégâts aux faux et à ceux qui se cachent et donc les faire découvrir quoi. Par exemple, là, ce chat-là, il me paraît non. Non plus. Non plus. Donc, il faut qu'on trouve. Il faut que je trouve les animaux. Il en reste 5 à trouver dans un temps imparti, bien sûr. Et si ils sont malins, ils se seront bien cachés. Hop là. Tita-tita-tam. Il me paraissait bizarre ce chien quand je suis arrivé. C'est pour ça. Il y a le même genre, je ne sais pas si c'est sur Hypixel ou un autre, je crois que c'est sur Epicube, il me semble, ou Ivancy. Il y a le même genre, sauf que vous êtes un objet. Une bibliothèque, une enclume. C'est à peu près le même style. Hop là. Donc on va bien finir par les trouver. Ils y sont toujours été. Ces trois cochons-là qui font des choses. À la queue leu-leu. Je les ai toujours vus. Alors je ne sais pas si c'est voulu, ou si c'est un bug qui n'a pas été corrigé. Ou si c'est vraiment voulu, mais c'est. Ouais, j'ai toujours vu ces cochons. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous, les chiens, vous êtes suspects. N'y a pas assez d'animaux là pour faire péter un leurre. Par contre, là, ça tire. C'est peut-être un animal qui tire. Ou alors est-ce un chasseur qui veut faire peur aux animaux? C'est possible aussi. Dans les poules là-haut. Hop là. Hack, on y vient peu dans les poules. Un chien glitché. Il reste quoi? Un animal. J'ai récupéré des crottes d'animaux, évidemment. Ça, c'est des faux animaux qui ont mis. Non. Nope. On retourne ici. Il doit être bien planqué, le mec. Oh, la poudre, faut attendre qu'elle se. Ah ben voilà, GG. GG. Bon, je suis revenu un peu trop tard, n'est-ce pas? Pour dire le GG. Oui, t'as raison. Mecton. Build Battle, je me suis tellement fait guaquer pour ma banane. On va faire un Bounty Hunter, vous voulez bien? Vous voulez bien. On en fera peut-être un autre Build Battle pour rigoler un petit peu. Pour voir mes talents de dessin. Ah, bah oui, c'est Robin! Et Batman tout à l'heure dans l'avion, et là on a Robin. C'est très homo gay sexe. Slenderderp. Ok. Alors c'est parti pour le Bounty Hunter. Combien va-t-on faire? Combien va-t-on faire? Et est-ce qu'on va se faire touet? Ouf. Bon, là déjà, j'ai loupé mon kill. Ouh. Donc à l'épée, je m'en sors plutôt bien. Comment ça va se passer d'après vous à la 1.9 pour le Bounty Hunter? Oula! Eh, je me surprends moi-même, dites donc. Dites donc, le Laolès a déjà 8 kills.
Le Laolès a déjà 8 kills. Ah, il s'est fait kill d'ailleurs, le Laolès, là. Hop là. Je me surprends moi-même. Et merde. Excusez-moi, du gros mot, excusez-moi, du gros mot, du gros mot, du gros mot. Toi aussi, t'as loupé, ami? J'ai combien? Ah, je passe troisième, dites donc. Hop là, je vais pas gâcher la flèche là maintenant. J'ai vu qu'ils se barraient tous. Hop! Oh, la souris qui se tourne au moment où je tire, quoi. Plus rapide que moi, ça y est, je baisse dans les sondages. Ah ben on se la donne, mon pote. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, le Laolès ne réussit plus à rien. Mais il est pas vrai, maître coq! Toujours lui qui me tombe dessus! Oh, mais non, quoi! Voyez le courage, hein? Voilà, elle a tiré. Mais l'autre, il se barrait promptement, enfin l'autre. Excuse-moi, gars, j'ai pas retenu ton nom. Mais il se cassait dans tout son courage. J'ai la poisse avec les. J'ai la poisse avec les flèches, moi, pour le moment, là, hein. J'ai pas un mauvais tireur d'habitude. Pas spawn kill le Laolès. Putain. Mais j'ai la poisse avec les flèches en ce moment, moi. Wouh! J'évite les flèches, faut que j'évite. Hé. Je la tire au hasard, hein. On sait jamais. Salut ta Mimi. Ah, je suis pas le seul à avoir la poisse avec les flèches. Mais ça va, je suis pas si nul que ça, j'en ai 11. C'est con parce que j'étais dans le top 3 tout à l'heure. Là là, les flèches! Et il se barre, lui! Mais regardez comme il se barre, quoi! Ça va, j'ai pas un si mauvais score que ça, un hein, 12. C'est acceptable.
Ouais, je vais tirer ma flèche très rapidement, comme ça, j'en suis débarrassé. J'ai pas la chance avec la flèche pour le moment. Platio. Youpi. Plus 24 coins. Ben voilà. J'ai. Ah, 17, ça va, hein? Je suis pas nul. Je suis pas nul d'abord. Bon, le tout, c'est de s'amuser, les enfants, c'est de s'amuser. Alors, qu'avons-nous? Putain, là, il y en a un sur le creeper attaque, c'est dommage, hein? C'est dommage, moi je vous le dis, c'est dommage. Les party games, la dernière fois que j'en ai fait un, ça buguait à mort. Bonjour Monsieur Coffre. Ça buguait à mort. Eh ben écoutez, vous le voulez? Vous le voulez? Vous revoulez la banane? La banane citron. J'espère que je ne vais pas tomber sur le même thème. Alors on a quoi là? Flying Pig! Mais c'est quoi ça? Bon, alors attendez. Déjà. Voilà. Déjà. Alors attendez. On va faire ça comme ça. Hein. On va le faire sur. Oui. Bien comme ça. Voilà. Merde. Oh, faut. Non, non, mais commence pas à me guaquer le. C'est mort là. C'est mort. Ouais. Tunk, tunk, tunk. On va lui faire ses deux oreilles. Sa queue en tire-bouchon. Je sais pas comment je sais pas comment faire hein. Comme ça. Vous croyez? De la laine blanche. Laine blanche. Pas faire moi les ailes moi. Comment vous voulez que je fasse des ailes? Déjà c'est des moignons. Il a des moignons d'ailes, ça compte pas ça? Ah. Laine grise. Pof. Écoutez, ça, c'est pour symboliser le feu. Peut-être une idée, attendez. Non? Qu'en pensez-vous? Pour symboliser le feu. Ah, écoutez, on ne peut pas avoir de vraie flamme. Laine marron.
Voilà, une ceinture. Ah! Une ceinture. Mais enfin, elle ressemble pas trop à un cochon, hein, faut dire. Mais bon, comment tu veux que je fasse d'autres? Le Groic? Ah oui, c'est vrai que l'étoile, tu peux pas la virer. Tac. 30 secondes. Ben voilà, hein, je pense que ça en dit long sur mes compétences. Je ne ferai pas de double réacteur. Je pense que ça en dit long sur mes compétences. Et ne vous moquez pas dans les commentaires. Il est très bien, mon cochon. Allez, on rentre sur Ragnablock. Ah Voting. Oh putain. Oh, il est joué. Ah oh, putain, j'aurais dû penser comme ça. Ah, sympa. Oh, je mets good. Alors, les piques et les gendarmeries, je les mets très peu par contre. Putain, non. Soyez sympas, les mecs, soyez sympas. Non, putain. Il y en a qui vont faire des poupes à fond. Ouais. Ok. Moi, je le fais jamais, sa poupe. Bon, ben là, les gendarmeries, il y en a qui sont team de toute façon. Voilà quoi. Non. La poupe, ouais. Sur le coup, poupe, c'est le premier goût. Oh putain, génial. Good. Hop. Nyan 4. Nyan 4. Nyan Pig, sur le coup, d'ailleurs. Bon, ok, allez, pour la forme. Mais il n'est pas fini. Je comprends pas comment on peut monter dans le cochon. Enfin, comment on peut monter. Oh, je vais mettre good là. Comment on peut monter dans le cochon? Allez, il était tout creusé, son cochon. Il avait faim, il avait mangé un bout de jambon, non? Non, c'est pas donc la première fois que vous me verrez poupe. Oh, ça c'est sympa. Super pig. Oh oui, il méritait. Septième place. Oh bah ben, écoutez, c'est pas si mal, septième place. Voilà. C'est mon pigou. Écoutez, why not, hein? C'est mon pigou. Eh ben écoutez, pour finir, pour finir, pour finir, pour finir. Un dernier Farmhunter et on se laissera là. Voilà, c'est pour finir. Alors là, on peut... non, pas là. Si on clique droit sur le foin, on peut choisir si on veut être en animal ou en hunter. Mais c'est en fonction des votes. Si tout le monde vote animal, évidemment, tout le monde ne sera pas animal. C'est en fonction des votes. C'est une probabilité. C'est un souhait. Donc voilà, vous pouvez mettre le souhait ou ne pas le mettre. Que je sois d'un côté ou de l'autre, moi c'est pareil. Ça serait bien que je commence en hunter. Pour vous montrer un peu, un creeper. Un creeper. Les creepers! Ah oui, il n'y a que des creepers ici. Mais virez-vous les creepers! Ah, je suis en chasseur. Non, je suis en animal. Pardon. J'aurais bien aimé être en chasseur, là. Commencer en chasseur pour vous montrer. Je suis en animal. Écoutez, c'est pas bien grave. On va essayer de trouver. J'aurais bien aimé trouver la petite maison. Écoutez, je vais me mettre au milieu des cochons. Ici. Et hop, venez me chercher.
Ah, ils me trouveront sûrement, hein. Je serai chassou, comme on dit dans Loup-garou. Je bois un petit peu de café, c'est 2 heures du mat. Je vais vous faire le montage et l'upload direct pour essayer que vous l'ayez dans la journée. Sinon, vous l'aurez dans la soirée. C'est 2 heures du mat, on est jeudi, 2 heures du mat. Et je suis en train de mettre à l'upload aussi, pour ceux qui me suivent sur Borderland, les épisodes fail, que j'ai fait un montage pour que ce soit sur un seul épisode. C'est pas fail, c'est le Elgato qui m'a clairement fait de la merde quand j'ai fait la mise à jour. Donc voilà, je vous explique tout sur Borderland et je vous passe les images. Alors évidemment. Ah! Ah, je vais me faire avoir. Alors évidemment que. Il ne faut pas que je clique deux fois sur la poule, ça sert à rien. Le truc, c'est d'arriver à changer plusieurs fois d'animal pour les perdre. Pour les perdre un peu, comme ça. Si on arrive à se. Si on arrive à se camoufler en changeant plusieurs fois d'animal. On arrive à. On va pas le faire là, s'ils sont au milieu, c'est que. On arrive à. Allons. Allez, à perdre. Y a eu quoi là? Pourquoi il y a eu un. Oui! On arrive à perdre nos poursuivants, à les leurrer. Et justement, à sauver un peu la vie. J'avais perdu mon premier poursuivant, mais je me suis arrêté pile devant une autre chasseuse, une chasseuse, et puis voilà quoi. Ça arrive, écoutez. C'est un jeu bien sympa, moi, que je trouve bien sympa, parce que quand on meurt, ben, on ne reste pas en fantôme, comme dans Walking Dead, par exemple. J'adore Walking Dead, mais quand tu meurs, tu restes en fantôme. Et soit tu te retéléportes au hub, soit tu attends que tes copains aient fini. Plus un coin, pourquoi? J'en ai tué un dans une explosion, peut-être. Et tandis que là, bah, tu deviens chasseur, tu participes quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on vient 3? Je tapais sur un chasseur. Ça arrive, hein, écoutez, ça arrive. Oh! Je sais pas si on peut monter en étant animal aux échelles, parce que l'autre il monte. On va pas monter à 50, écoutez. Autant se départager la zone, il y a un temps de prévu pour. Alors les flèches, ça peut très bien être un animal qui nous les tire pour. Pour nous guaquer un peu, comme j'avais fait dans. Oh. Pourquoi il a les yeux rouges, lui? Ah, y avait un vrai, il me semble, dans ça, et j'ai fait exploser un. Vous savez, c'est ce qui était apparu tout à l'heure, et je crois que c'était quand il se stunte, quand il reste stoïque. Même si on les tape pendant un court instant, on l'a ça en animal, je crois. Il n'y a vraiment que la bombe qui fait non? Ah, un peu. Oh, il est réapparu, lui. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il les yeux rouges à un moment donné. Je sais pas. I don't know. Bah, je vous les chevaux. Oh, il n'y a plus d'animaux. Yeah.
Yeah. Animals Zero. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cool tout ça. Hop. Ah ouf. Faut essayer de le passer en un coup, je pense. Et ressortir par là-bas, peut-être. Oui, ressortir par là-bas, ouais. Je ne suis pas très fort au jump, je suis désolé. Checkpoint 1. Ah, c'est un jump. Oh, ça. C'est un jump. Oh, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. N'insistez pas, je ne le ferai pas. Et sur ces. Et c'est sur ces. Bah, sur ce petit. Sur ce petit game sympathique, voilà, que j'avais envie de vous faire partager. Voilà. Que bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, ça sera toujours très sympa de partager avec vous, d'interagir avec vous. Et puis, ben, pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye!